Bonjour et félicitations pour votre opération réussite chez Halliwell Turkey. J'ai fait cette vidéo pour vous expliquer les conseils post-opératoires parce qu'il est très important de bien entretenir votre greffe pour préserver le résultat et pour une cicatrisation rapide. Concernant les traitements, vous avez tout d'abord les antibiotiques. Vous allez les commencer juste après l'intervention. Il faut prendre 2 comprimés par jour, un le matin et un le soir après manger. Il faut terminer toute la boîte. Vous avez aussi des anti-œdèmes. Vous allez les commencer le lendemain de l'intervention. À midi, vous prenez un comprimé pendant 4 jours. Et aussi, il est fortement recommandé de boire beaucoup d'eau afin d'empêcher le risque d'avoir la tête gonflée. Et finalement, vous avez les antidouleurs. Vous pouvez prendre un comprimé si vous sentez des douleurs. Pour le lavage, il faut le faire régulièrement à partir du lendemain de l'intervention pendant des jours. Vous allez utiliser seulement ces 2 produits. Vous avez le shampoing antibactérien, vous l'appliquez en tapotant sur toute la partie griffée et même la zone donneuse. Et aussi la lotion au panthénol, à partir du 5e jour, il y aura des croûtes qui commencent à se former. Donc vous allez utiliser cette lotion avant le lavage, vous l'appliquez sur toute la zone griffée et même la zone donneuse. Vous la laissez agir pendant 20 minutes, ensuite vous la rincez pour appliquer le shampoing par la suite. Le 10e jour, s'il y a des croûtes qui résistent, donc vous pouvez faire des mouvements circulaires en massant la lotion pour les aider à partir. À partir du 10e jour de votre intervention, vous pouvez reprendre la routine normale pour le lavage. Seulement, il faut faire attention aux produits que vous allez utiliser pendant toute la période d'évolution de la greffe. Notre centre recommande cette marque de shampoing, Healthful Beauty. Ça, c'est un shampoing anti-chute. Donc, au lieu d'utiliser un shampoing classique, vous pouvez utiliser celui-là. Et aussi, il y a un sérum et des vitamines qui sont très efficaces pour accélérer la reprise de vos cheveux. Le sérum, vous pouvez le commencer un mois après votre intervention. Vous mettez de 10 à 15 gouttes sur tous les cheveux après chaque lavage et vous faites un petit massage avec. Et les vitamines, vous pouvez prendre un comprimé par jour. Voilà, et si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mon WhatsApp. Au revoir.